arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a que le petit pote, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo présentation de deck. Avant que les vidéos commencent, les gars, très très important. N'hésitez pas à vous abonner, le cheval de meilleur pour ce bloc, car beaucoup de personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées, donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, ça ferait très plaisir, et merci à tous ceux qui le feront. Si vous avez des questions, quelle que soit la question, n'hésitez pas à venir sur mon Insta, les gars, pour me poser n'importe quoi. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et on part. Day 2 de... enfin, le deuxième deck que je dois train. Donc c'est un petit mineur rocket. C'est parti, on part dans la première game. Ok. Allez, petit arc prends en fond du terrain tranquillement. Ok. Lui, il a pas le temps. Les petits squelettes avec la petitesse. Parfait. Le Dark Prince qui va aller me toucher tous les apis. Qui ont touché deux, très bien. Deux. Oh, ça met pas de deux coups. Je vais colis tout ça. Ouais, j'ai bien fait de colis. Hop. Parfait. Le colis qui était juste insane. Parfait. On va être un petit mineur avec un petit esprit. Hop. Ok, parfait. Nous laisse connecter l'esprit plus le mineur. Ok, il a rien fait connecter. D'accord. On va aller mettre une MG. Non, on va aller mettre un Dark Prince. Le petit Dark Prince ici. La MG, je préfère la garder, c'est un bon DPS, cas où il ne sorte quelque chose des rien. Le coup qui fait plaisir, là. Le coup qui fait plaisir. On part avec une petite MG ici pour essayer de carrette. Sinon, on colis. Ouais, j'ai fait misclick. Ou le misclick qui aurait pu coûter très très cher. Hein. Le misclick là, le misclick roquette ici, là, ça a pu coûter cher. J'ai mis des squelettes de base, mais il va... Ah merde, la boss qui va dash. Ok, parfait. On a les squelettes ici tranquillement. On va aller défendre cette petite voleuse. Parfait. On aura le Dark Prince évidemment. Pour aller défendre ça, on va mettre un petit esprit en fond du terrain. Hop. De panique. Petit Dark Prince. Hop. Parfait. Il va devoir défendre en plus, ça c'est bien. Je vais mettre une petite MG en fond du terrain. Hop. Ok, parfait, il part comme ça. On va aller mettre les squelettes. On a la MG, on va mettre le petit esprit en prime. Est-ce que on peut quand même essayer de tuer? Non, d'accord. Dark Prince qui nous permet de pas prendre de coups, ça c'est plutôt cool. On va mettre un petit mimi ici. On a la roquette. Bien sûr qu'on a la roquette. Hop, ouais, nickel. On a la roquette value sur l'arène, ça c'est parfait. On a le colis qu'on va pouvoir se manger. Sinon, on a les squelettes. Hop. Petit squelette, petit esprit. L'esprit qui était pas nécessaire, mais on le met quand même. Ok, petite Tesla, on va commencer à défendre. Ok, c'est une petite MG au fond du terrain. On a la roquette qui mènera nos ponts. Ok, petit Dark Prince. Ce qui met qui chose. On aura un bon colis, c'est sûr. On peut mettre un petit mineur. Bah, là, on a un très très bon colis là. Là, excellent colis de ma part. On peut mettre l'esprit en plus. On a la roquette qu'on va aller tout de suite mettre ici. Oh là là, la roquette. Dommage que tu pas la voleuse. Ça t'es sacrément beau, mais c'est pas grave. On a l'avantage. On va mettre le mimi avec le petit squelette. Et le petit esprit quand même pour cette force un max d'Elex. Oh putain, le pré-shot. Pré-shot qui est pas mal. Ok, ça lui force un petit électro. On va mettre une petite MG. Dark Prince ici. Ok, c'est parfait, là on est plutôt pas mal. Bon là il a son jar en cycle, je sais pas ce qu'il branle, je sais pas pourquoi il le met pas. Ok, il le met maintenant. Oh la mauvaise Tesla de ma part. Oh, j'ai de l'achat que mon Dark Prince le pousse. Hein. Là je vous dis, c'est lourd sur ça. Hein. Oh la mamie qui est trop chiante. Oh la mamie, c'est insupportable. On va aller mettre l'esprit ici pour aller tuer tranquillement ses bats. Je vais aller roquette. Ouais, j'ai la roquette. Ok. Ah, ça tue. Le colis. Le colis, les gars, qui va sauver des vies. Je vous le dis direct. Le colis qui sauve des vies. Ok, on a la Tesla. Alors, falloir faire quand même un petit peu attention. Ok, on a un peu de squelette, évidemment. Au bout d'un moment, on nous la fait plus.
On va pré-shot une reine, on va essayer de pré-shot une reine, ça pourrait être pas mal. Ok, pré-shot des apis, ça va très bien. Petits apis de pré-shot. Hop, on peut commencer à se faire un petit peu. Oula, calmons-nous quand même. Hop, nickel, le Dark Prince. Ok, on va les collier, on va les remettre tranquillement. Ok, le collier raté. Un petit mineur, Tesla. Hop. Dark Prince ici pour pas prendre trop cher. Petit colis, on va la mettre un petit mineur. Attention à pas céder sous la pression. On a la roquette qui va terminer cette tour pour aller prendre cette première win. Assez compliqué, un peu spito. La Sanami qui nous a fait beaucoup chier, sa reine qui est assez relou. Mais on a pris la game, c'est plus important. Après, malheureusement, ce que j'ai fait, le problème, c'est que j'ai peur, c'est que là, ce mec est éclaté. Voilà. Voilà. Donc, quand on va tomber sur un mec qui a 7k avec ce deck, je risque de me faire ouvrir. Et bon, c'est pas grave, on se retrouve dans la prochaine game. Ok, c'est parti. Deuxième game contre Italo Alves. Ok, on va commencer par une petite Tesla tranquillement. Ok, bon, Valkyrie, ça peut être pas mal de choses. On va tenter de rien pré-shot pour l'instant. Ok, Valkyrie, squelette, c'est sûrement index cycle. Ça peut être quoi? Cochon séisme. Ok, c'est un petit Dark Prince. Ok, reine. On va pouvoir recasser ça par contre. Hop. La roquette, je la prends. Ok, reine, Tesla, Valkyrie, squelette, bûche. Ok. On vient d'occuper sa Valkyrie, plus ses 3 cartes mystères, logique. Okay. Squelette. Ok, c'est de l'Arc X, très bien. Ok, ça c'est chiant. Pourquoi je mets pas sur l'Arc X? Aïe, l'erreur là. Ouais. Ah, plus il pré-shot mon esprit. Est-ce que ça peut toucher? La charge? Un coup? Dommage. Oh, à prendre quelques coups, tant pis, mais bah, c'est. Bah, l'erreur que j'ai faite, c'est de mettre le mineur. Comme si c'était un chevalier. Alors qu'en fait, c'est un mineur. Oh, ouais, par contre, frère, calme-toi là. Oh. T'as cru la vie, c'était un kiwi, toi. On va prendre. Ah, deux coups. Dur ça. Deux coups. Là, en plus, je suis obligé de partir. J'ai parti reposer. Hein. Je pense que j'ai pas le choix de partir reposer. Là, si je perds 5000, je vais me faire ouvrir en deux. Ok, bon, là, il me donne une roquette. On la prend. Hop. Ah, les gars, pourquoi je roquette? Parce qu'il a mis un arc qui est dans le vide. Donc, comme j'ai pas de troupes, comme je dois pas m'installer, je dois juste envoyer au. Ah. Ah ouais. D'accord. Bon. On va essayer de faire un push à N2. Ok, on va aller mettre un petit mineur. On a la roquette si il repart. Ok, il part reine. Parfait. Parfait la roquette. Il a plus d'arc X. Je peux pré-shot son arc X. Ouais, parfait. Je le savais, hein. C'était juste plus que sûr. Ok, on a les tisquettes ici pour essayer de tempo. Mais ça n'a rien tempo du tout. Let's go. Je le savais, hein, qu'il allait partir arc X. C'était sûr à 1000%. Oh là, oh. Oh, Dark Prince. Old Dark Prince. On a la roquette. On va aller mettre la roquette pour être sûr. Voilà, parfait. J'ai bien fait de mettre la roquette. Et là, on a juste plus qu'à tempo. Voilà, là, on a juste plus qu'à tempo. Et on a win la game. Et on a gagné cette deuxième contre Arkix. Le mec a fait une grosse erreur. Et bah, juste tant mieux. Bah, en fait, je crois que si je lâche ça, je trouve. Non, c'est le squelette qui a poussé le Dark Prince. Et ouais, du coup, bah, comme ça poussait le Dark Prince, la logique des choses, le Dark Prince, il est parti pas sur la Tesla, mais tout droit. Et voilà, ensuite, c'est difficile de faire. On va passer à cette troisième game contre Elvid. Ok, petit mineur, ici, tranquillou. On voit ce qu'il a. Ok, d'accord. Tesla Dark Prince, parce qu'il a mis son gomme de glace. Ok, j'ai la tête d'esprit pour essayer de prêcher peut-être un éventuel squelette. Et ok, voilà. Bon, alors là, le plan de jeu, ça va être de défendre. Bon, il y a déjà le cycle là. C'est terrible ça. Bon, on aura la Tesla pour la prochaine défense. On va faire gaffe de pas se faire le cycle.
Bon, c'est qu'il a pas du coup de temps là, donc on peut mettre le mineur derrière. Ok, pour l'instant, c'est le deuxième mineur qui nous laisse gratos. Il va falloir que je commence à compter les cartes, il n'y a pas qu'il nous donne sa gueule. Après, il joue quand même en 2.6 et nous, on joue en 3.1. Donc 3.3 même, j'ai plus 3.1 ou 3.3. Ok, bon là, c'est sûr qu'il a récupéré son Halouf. Ok, on met de la test, on mettra le colis dès que la Valkyrie arrive. La Moumou. Ok, bon là, il a utilisé beaucoup d'élixirs pour pas grand chose. On va pouvoir mettre un lamineur. Et là, on va mettre l'escalade pour récupérer tout simplement notre Tesla. Hop. Et voilà. Et là, il va falloir commencer à compter les cartes. Donc, une. Et nous, on n'a pas encore joué de cartes. Oula, c'est la sauce. Ok, lui, il a une carte. Il faut là qu'on joue en même temps que lui pour récupérer notre Tesla au moment où il a son cochon. Donc, une. Ok, ok, 2. 2, c'est bon. C'est bon, on a 3, 4. 3. Et on va voir la 4. Est-ce que la roquette? Ouais, la roquette, là. On va aller la prendre. Ok, parfait. Ça, c'est cool. Ok, là, on a évidemment la Tesla avec le Dark Prince. Il nous joue 2 cartes. On a 2 cartes. Il nous joue 3 cartes. Donc, on a 3. Hop. Il n'y a plus qu'une quatrième. Et puis voilà. Je pense qu'il a un cheat. Il a un cheat. Il a un cheat contre un mineur, c'est que les... On a extrêmement bien joué, les gars. Moi, je vous dis direct. On s'est fait attaquer qu'une seule fois. Après, j'ai commencé à compter les cartes. Et une fois que j'ai compté les cartes, bah, simplement, ça n'a pas été compliqué de gagner. Puisque j'avais tout un Tesla en rotation dès qu'il a son cochon. Donc ça, c'est juste parfait. Et puis voilà, cette game remportée largement. Et puis c'est carré, voilà, tout simplement. Donc on se retrouve dans la dernière game de la vidéo. Ok, moi même pas besoin de cut, ça sert à rien. Oh tant mieux, c'est parti, dernière game de la vidéo contre Miracle. Ok, on va commencer par un petit esprit au pont tranquillement. Ok, on va mettre un petit Dark Prince. Une escalité à notre esprit, ça mal. Alors Bomber, ça peut être Golem ou Giant. C'est du golem. Ok. Bon. Ok, Dark Prince qui va charger. Ok, il va préférer défendre, ça c'est intéressant. Et ça c'est cool surtout en fait. Ouais, je voulais juste quand même récupérer l'esprit pour pouvoir défendre plus facilement. Ok, je vais colis. Ah nickel, pour les boss qui arrivent, ouais, parce que... Ok, bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien garder l'esprit, les gars. Puisque l'esprit va nous servir pour la sorcière de nuit. Je pense que s'il met pas de Dark Prince, s'il met genre ni PK bébé dragon, je roquette. Ça dépend de ce qu'il met derrière. Alors, il met quoi derrière? Une MG. Et des barbares d'élite qu'on va les roquette, ça par contre. Ok. Oh non, putain, ça focus pas ce que je voulais. Ok, à mettre l'esprit ici. La MG qui nous fait mal quand même, hein. La MG qui nous fait très très mal. Mauvaise défense de ma part, j'aurais pu la MG la prochaine avec les squelettes. My bad, ok, là on fait tourner, ça c'est pas mal. Si mes pattes du chou, ça connecte. Ok, je sais pas ce qu'il a mis, je crois que c'est les squelettes. Ok, on prend deux coups de Dark Prince, c'est pas mal. Ok. Bon là il vient de recycler. Il vient de recycler son golem. Parfait, le colis là qui gère. On va mettre le petit Dark Prince ici. Peut-être prendre des dégâts contre la Knight. On va mettre l'esprit, ok. L'esprit qui va sauter. Le Dark Prince qui va pas charger par contre. Ouais, bien joué de sa part. Bah on va mineur. Ouais, mineur MG. Plus les squelettes. On va voir comment il défend ça. Ok, la mauvaise sorcière de sa part, ça c'est bien. Ok, mauvaise sorcière de la nuit de sa part aussi, ça c'est cool. On va pouvoir Dark Prince sur ça. Ok, il y a un bomber tout à l'heure. C'est pas l'esquelette, c'est un bomber. J'ai oublié qu'il avait le bomber. Ok, mais les barbares d'élite en plus. Ok, on va mettre l'homme mineur. Ça, on va pas le défendre facilement, donc on va pouvoir roquette. On a le colis plus les squelettes ici. Voilà, tranquillement pour la défense. On va continuer une pression. On va continuer de la pression avec le Dark Prince. Mettre le petit mineur. Ok, golem défensif, ça c'est pas mal.
Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. J'aime bien qu'il ait une tornade, par contre, ça c'est relou. Il a pas l'air d'avoir de foot, par contre, ça c'est une bonne nouvelle. Ok, on va coller MG. Il a fait de la MG. La MG qui était bonne de ma part. Ok, on a le Dark Prince ici. Les squelettes, est-ce qu'on peut essayer de pas prendre de dommages? Le zap. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Dommage. On aura fait une bonne game quand même, je trouve. On a chié notre première défense. La MG qui nous a mis genre facilement 2000 de dégâts. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, on va partir pour la vraie dernière game de la vidéo. Ok, c'est parti contre Juka. Ok. Yes, loco. Allo. Oh non. Wow. What? Mineur, princesse, Valkyrie, c'est du Zabait? Ah, si c'est du Zabait, frère, ça fait 1000 ans que j'en ai pas vu. Possible, hein? Ça peut être du Zabait. Ok, Snowball, qu'est-ce que c'est? Ok, bon, on tombe sur un deck random. Je sais pas pourquoi je shoot les cartes qu'il a. Il a joué princesse, Valkyrie, Snowball. Mineur. Donc là il vient logiquement de récupérer sa princesse. Donc faut que je fasse gaffe. Ouais. Ouais ok, c'est une espèce de... Ouais je sais pas en fait hein. Ok, Valkyrie. Il va jouer quoi après? Ouais, un cochon, d'accord. Cochon mineur hein, quand même hein. Ok. On va aller mettre le mineur. Mineur squelette. En mode l'esprit derrière. Ça te fait un double push, ok, mais la mineur, bien joué de sa part. On aurait pu mettre le, on aurait pu mettre l'esprit là, sachant qu'il est la mascotte, j'ai oublié. Ok, bon, bonne défense. On est devant lui pour l'instant, donc ça va. Il a pas encore son cochon, donc on a encore une carte. Tranquille. Ah, c'est vrai qu'il a sa princesse, putain. Ah, il va me péter les couilles, il va gratter que comme ça. Ok, bon. Il a son cochon, donc on fait gaffe. On met une petite Tesla préventive. Ici. Ok, je joue rien. On va aller mettre un petit mineur. Ok. What? Ok. On vient de recycler notre Tesla, donc rien de trop dramatique. Ok, là, Fricoli. Il y en a la TS ici, on va mettre la MG en plus pour la princesse. Ok. Bon, on est encore devant, on va mettre le mineur devant avec l'esprit. Hop. Ok, on va mettre l'armée squelette. Ok, c'est bien joué, mais l'armée squelette autre part. On va remettre, je pense, la Tesla. L'MG, les squelettes. Ok, il a un mauvais cochon de sa part là. Hein. On met le Dark Prince en plus pour tuer ça va, typiquement. Là, enfin, chaque fois, je vais mettre Mineur Esprit. Comme ça, c'est mon sonore squelette, elle se fait genre littéralement laver. Ouais, on va mettre la MG, écoutez. Hein. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de bûche en fait. Ok, là, il nous donne un. Merde, c'est pas ça que je me suis collé. Ok, parfait, on en tue une en plus. On va mettre le Mineur Esprit, écoutez. Hein. Qu'est-ce qu'il fout? Oh là là, qu'est-ce qu'il branle? Ça saute pas, ça c'est chiant. Sa princesse, elle me rend fou là. Ok, il va mettre. Ok, mais. Il va mettre Mineur Esprit. Hop. On a la roquette. Et on va aller prendre cette dernière game. Assez... Là, elle était large. Large. On a bien coûté son cycle. On a réussi à bien play shot. On a bien joué, je trouve. Et puis voilà, en tout cas les gars, j'espère que la vidéo Mineur Secure vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un pouce bleu, c'était vrai coup. Ciao ciao.